autour du monde, des hommes et des femmes acheminent par bateau des vivres à ceux qui habitent au bord de l'eau. En Argentine, Sébastien navigue dans l'extraordinaire delta du Paraná à bord de son épicerie flottante. Ciao, gente, gracias. En Thaïlande, Unti sillonne des centaines de canaux dans sa minuscule barque-restaurant. Elle se déplace de quai en quai pour offrir à domicile les repas qu'elle cuisine à bord. Deux histoires de cuisine, de bateaux et de voyages. Située à moins de 40 km au nord-ouest de Buenos Aires, capitale de l'Argentine, la ville de Tigre est surnommée la Venise argentine. Car c'est ici que se situe l'immense delta du Paraná. Plus de 3500 îles, un labyrinthe de canaux et 4000 habitants qui ne se déplacent qu'en bateau. Kayak, yacht, scooter des mers, ici tous les types d'embarcations se côtoient. Les emblématiques Lancha, bateau-bus collectif en bois, font la navette entre la ville de Tigre et les îles du Delta. L'Ignacio Franco, le bateau épicerie de Sébastien, est amarré dans le port de Tigre. Deux fois par semaine, il part faire sa tournée dans le Delta. Lundi matin, 8h. Sébastien et Franco, son fils de 13 ans, n'ont que 2 heures pour charger les 35 tonnes de marchandises. Des fruits et légumes à la viande, en passant par les produits d'entretien, le bateau transporte tout ce que l'on trouverait chez l'épicier du coin. Bonjour! Plus on a de produits à bord, plus les ventes sont bonnes. On le vend combien? 1,60 €. Aujourd'hui, on charge des marchandises pour une tournée de 2 jours autour de l'île. Ensuite, on revient, on recharge de nouveau le bateau, et cette fois-ci pour une tournée de 3 jours. Le temps presse. Sous peine d'amende, l'Ignacio Franco doit quitter le port à 10 heures au plus tard. D'autres bateaux attendent leur tour pour charger. Ça fait 4775. Et là, l'autre facture. Merci et bonne chance. Luis, le frère de Sébastien, a son propre bateau. Chez les Batinga, épicier sur les flots est une affaire de famille. On aimait suivre notre père quand on était enfant. À la fin de nos études, on est revenu pour travailler sur le bateau. Mais notre père le sortait de moins en moins souvent. Alors on a eu nos propres bateaux, on a créé nos épiceries, et puis on a commencé à suivre nos trajets. Je passe par une branche de la rivière et lui par l'autre. On se sépare pour se rendre dans des endroits différents. C'est comme ça qu'on gagne notre vie. Chacun sur son bateau et chacun de son côté. On est prêt, on part dans quelques minutes. On charge le combustible et on y va. Les frères Batinga démarrent leur tournée pour 48 heures. Tout doit être impeccable, le service et la qualité des produits, car la concurrence est rude. Une dizaine d'autres bateaux épiceries naviguent sur les eaux brunes chargées d'alluvions du majestueux delta. De l'autre côté du globe, en Thaïlande,
la région d'Ampahua est située à l'extrémité nord-ouest de la baie de Bangkok. Ici aussi, des centaines de canaux s'entremêlent et servent encore aujourd'hui de voies de communication, de transport et de commerce. Des milliers de Thaïs vivent le long des berges. Parmi eux, Aunty. Depuis 50 ans, elle prépare tous les matins ou presque une centaine de repas qu'elle va charger dans sa minuscule embarcation. Le soleil n'est pas encore levé, et déjà Aunty s'active. Elle commence à cuisiner les plats qu'elle va livrer au fil des canaux dans la journée. C'est le seul métier qu'Aunty ait jamais pratiqué. J'ai commencé très jeune, en suivant ma mère sur les canaux. Elle a vendu des repas dans cette barque toute sa vie. Alors vous voyez, elle m'a transmis tout son savoir. Pour moi, c'était évident de reprendre la suite. L'an prochain, je fêterai mes 70 ans. Je n'ai pris aucun jour de congé depuis que j'ai commencé ce métier, à l'âge de 16 ans. Dans sa préparation quotidienne, elle réserve toujours une part aux moines qui font l'aumône de canal en canal. J'offre de la nourriture aux moines tous les jours. Je le fais pour honorer la mémoire de mes ancêtres décédés. On prépare des offrandes de nourriture pour les moines qui viennent nous voir en bateau depuis des centaines d'années. C'est la tradition. Ensuite, ils récitent une prière et nous offrent leur bénédiction. Le mari d'Aunty l'aide du mieux qu'il peut. Il a passé lui aussi une grande partie de son existence sur l'eau avant de perdre la vue. C'est un sampan, un bateau chinois à fond plat. Ce bateau est fabriqué en teck, un matériau souvent utilisé par les anciennes générations. C'est le bois qu'ils prenaient pour fabriquer leur bateau. La casserole d'Aunty est chauffée au charbon. Le feu maintient le bouillon à bonne température pendant tout le trajet. Il est 10 heures. Après 4 heures de préparation, Aunty monte à bord de sa barque cuisine. Soleil de plomb ou pluie diluvienne, peu importe, elle est sur l'eau tous les jours. Les centaines de canaux de la région sont alimentés par le fleuve Mekong, un cours d'eau de 132 km de long qui se forme au confluent de la rivière Kwai et se jette dans le golfe de la Thaïlande. Ces canaux sont depuis toujours empruntés par des commerçants ou des propriétaires terriens qui ainsi acheminent facilement leurs récoltes vers les marchés de la région. Woo!
La construction de route n'a rien changé. Les habitants restent attachés à leurs canots et à leurs bateaux. Je connais tous les canaux de la région. Peu importe où je vais, je ne suis jamais perdue. Avant, il n'y avait pas de route. Alors, tous les déplacements se faisaient grâce à ces canaux. Tout le monde utilisait des bateaux. C'était le seul moyen de transport pour se rendre d'un point à l'autre. Qu'est-ce que tu veux ? Une soupe et des nouilles senlek. Les deux ensemble ? Oui. Il fait chaud. C'est difficile pour vous de rester à l'intérieur aujourd'hui. Oui, pendant la journée, je ne cuisine pas. Les clients connaissent bien le trajet et les horaires d'Unti. Dès qu'elle se signale, les clients sortent avec leur bol. Elle sert tous les jours près de 80 repas. Pas plus cher qu'un plat fait maison, c'est donc une aubaine pour les riverains. Qu'est-ce que vous prenez ? Je vais prendre les nouilles avec la sauce rouge. Je vous fais ça tout de suite. Sel épicé, s'il vous plaît. C'est combien de plus pour les légumes ? C'est le même prix. Et pour le grand bol ? Je prends 20 bahts pour le bol de taille normale et pour le plus grand, c'est 35. Merci, c'est excellent. Ça fait plaisir, merci. Bon appétit. Tu es tout seul ? Oui. D'accord. Prends la cuillère. Qu'est-ce que je te sers ? Des nouilles tom yam, s'il te plaît. Parfait. Je te fais ça tout de suite. Très épicé ou pas ? Pardon ? Très épicé ? Aujourd'hui, par plus de 40 degrés, un petit pagaille sans relâche. Malgré le chaudron bouillant qui augmente encore la température dans l'embarcation, la commerçante de 70 ans ne s'accorde aucune pause. Je m'arrête jamais, même pas pour aller aux toilettes. Je sais pas combien de kilomètres je fais par jour sur mon bateau, mais je me doute que ça fait beaucoup. Unti est parfois la bonne fée de Marie et Selé qui n'ont jamais appris à cuisiner. J'avais hâte de manger des nouilles. Ma femme n'est plus là et je ne sais pas cuisiner. C'est pas facile aujourd'hui. Si tu tournes ici, le chemin est plus court. Tu vas te rendre jusque là-bas ? Tu veux dire faire demi-tour ? Tu devrais suivre le courant un moment, et puis le remonter par là-bas. Ah.
Il est 16 heures. Après 6 heures passées sur l'eau, Auntie rentre chez elle avec en poche ses 20 euros quotidiens. Chaque soir, malgré la fatigue, Auntie accomplit le même rituel. Elle remercie son bateau et l'eau des canaux qui lui permettent de gagner sa vie. Elle est aujourd'hui la seule à faire vivre son couple. Le bateau et les canaux sont très importants dans ma vie. Sans eux, je ne peux pas travailler. Retour dans le delta du Paraná, en Argentine. Sébastien poursuit sa tournée. Son bateau épicerie navigue d'île en île. Certains clients ont déjà passé commande par téléphone. Du lait, de l'eau minérale. Vous m'avez dit quoi avant l'eau minérale ? La livraison à domicile est très populaire chez les Iliens du delta. Mais elle a un coût. Les prix sont entre 20 à 30% plus élevés qu'en ville. Pour avoir les mêmes produits en ville, il faudrait prendre un bateau, faire les courses, attendre quelques heures et revenir sur le prochain bateau. Avec le prix du billet, ça reviendrait au même. C'est donc finalement plus économique et ça met moins de temps. À plus tard, allez, on bouge. Merci, mon chéri. Bonne chance, bonne semaine. On se voit jeudi. Sébastien travaille avec Luis José, qui l'assiste pour toutes les tâches. Le pilotage, le service aux clients et l'entretien du bateau. Au fil des années, l'employé est devenu comme un frère. Ça fait 8 ans que Luis José travaille avec moi. Il est marin et il pilote le bateau pendant que je me repose. Il s'occupe aussi de la marchandise. Parmi les clients de Sébastien, des natifs du Delta, de riches habitants de Buenos Aires en vacances ou des touristes comme Julio qui sont arrivés et ne sont plus jamais repartis. Tiens les œufs, n'en fais pas une tortilla. Oh là là, faut que je fasse attention. Ici, ok, on socialise. Les relations sociales sont très importantes. Cette femme est une Espagnole de Barcelone. Celle-là est catalane. Personne ne vient d'ici, mais on vit tous ici. Ah, c'est fait. T'as besoin d'autre chose ? Oui. La vie ici est liée de près à la rivière. Je ne suis pas un expert, mais je constate que le mode de vie est lié à la rivière et aux coutumes. C'est une rivière vivante. Son niveau monte et descend de manière impressionnante. C'est pourquoi les maisons sont sur pilotis. Il faut s'habituer à ce style de vie. C'est pas toujours facile. C'est lourd. Seul un insulaire peut le lever. Allez. C'est du travail. On repart avec beaucoup de marchandises dans notre sac à dos. On retourne à la maison, qui est tout près d'ici, au milieu du bois. Après plus d'un mois à la maison, on ressent le bien del saucé. La vraie expression argentine, c'est « mal del saucé », et ça désigne le mal lié à l'isolement. Mais nous, on dit que c'est le bien del saucé parce qu'on trouve notre coin magnifique. «
les canaux du delta forment une extraordinaire toile d'araignée. Les centaines de rivières et de ruisseaux sont alimentés par le fleuve Paraná, une merveille naturelle de plus de 4000 km qui s'écoule depuis les hauts plateaux brésiliens pour aller se jeter dans l'océan Atlantique en Argentine. Les canaux sont de véritables routes navigables, très fréquentées. Ici, tous les capitaines se connaissent. Sébastien est l'un des plus connus. Quand le Ignacio Franco est dans les parages, de nombreux navigateurs en profitent. Pedro vient d'amarrer sa chaloupe au bateau épicerie et vient faire ses courses sans ralentir le rythme de croisière. Il vit au bord d'un ruisseau où je ne peux pas passer. Et c'est pour ça qu'il vient jusqu'à nous avec son bateau. On a des articles à vendre. Il tient un petit magasin. Passe une bonne semaine. Portez-vous bien. Le bateau épicerie fait une courte escale chez Juan et sa femme qui ont choisi de passer leur retraite au cœur du delta. C'est paisible ici. Ce n'est pas comme à la capitale. C'est vraiment paisible. Passer ces dernières années ici, pour les personnes âgées, c'est vraiment très bien. Nous sommes venus ici parce que c'est tranquille. Il y a la fille de ma conjointe qui vit près d'ici. On a économisé de l'argent plusieurs années pour bâtir cette maison. Et maintenant, elle est terminée. En réalité, on a dû faire beaucoup de sacrifices. On a dû se serrer la ceinture. On ne connaît pas le prix d'une maison achetée neuve. Il y a une maison plus loin qui est à vendre en ce moment, pour 1,5 million ou 1,3 million pesos. C'est 37 900 euros. Nous construisons la nôtre par petits bouts, sur plusieurs années. Ça fait 5 ans que nous construisons notre maison. Ici, il y a moins d'occasions de dépenser. Si nous étions en ville, le samedi ou le dimanche, nous mangerions au restaurant. Et nous dépenserions notre argent à l'extérieur. Ici, nous mangeons sur le quai. Ah, un autre client. Il y en a ici, de l'autre côté, et ça continue. Sébastien travaille souvent avec son fils Franco, qui prend son rôle de moussaillon épicier très à cœur. Banane ? Oui. Salami ? Oui. Biscuits ? Biscuits de riz ? Oui. Conserve de thon ? Oui. Citron ? Oui. Tomate ? Oui. Laitue et carottes ? Laitue et carottes, oui. Des œufs ? Attends pour les carottes. Dès le début des vacances scolaires, Franco monte à bord du bateau. Dès qu'il le pourra, il prendra la relève de son père. Je suis en vacances scolaires de décembre à mars. Aujourd'hui, on a commencé le travail à 4h du matin et on va terminer vers 21h ou 22h. Qu'est-ce que tu aimes sur ce bateau ? Sur le bateau ? Tout. Le paysage, tout. Conduire aussi ? Bien, très bien. Tu veux une bière ? Du matin au soir, l'épicerie fluviale s'arrête d'île en île sans interruption. Dans ce décor naturel d'eau et de forêt qui incite au repos, l'équipage travaille à un rythme effréné. Pas de pause déjeuner sur l'Ignacio Franco pendant que le bateau poursuit sa route. On boit et on mange comme et quand on peut.
Le soleil se couche sur les canaux, les épiciers ambulants s'arrêtent enfin. Dès l'aube, ils seront à nouveau sur le pont. Retour dans la région d'Ampawa, en Thaïlande. Unti, la cuisinière, ne montera pas à bord de sa barque ce matin. Aujourd'hui, elle va faire des courses au marché de Mekelong, à une demi-heure de chez elle. Il est 6h du matin et j'attends l'autobus pour aller au marché. Je vais acheter tous les ingrédients dont j'ai besoin pour cuisiner mes nouilles. Le marché de Mekelong est un endroit bien connu en Thaïlande, car il est établi autour d'une voie ferrée. J'ai acheté des fèves germées, des nouilles, du porc, du poulet, du canard, du tofu, du poisson frit, du liseron d'eau, de la coriandre, du chili et de l'ail frit. J'ai dépensé environ 3000 bahts. De retour chez elle, Unti n'a pas de temps à perdre. Avant de préparer ses plats pour le lendemain, elle doit réparer sa barque. Heureusement, son fils lui donne un petit coup de main. J'ai 4 enfants, mais je n'ai qu'un seul fils. Je m'appelle Tatopon Tamazawad. J'ai 37 ans et je suis sculpteur pour la construction de temples. J'aide ma mère comme je peux en préparant certains ingrédients. Je fais frire le tofu et les bâtonnets de poisson. Ou encore, je confectionne le sirop. Je ne vais pas vendre des repas avec ma mère parce que je ne suis pas très bon là-dedans. Aucun des enfants d'Unti ne veut suivre sa voie. Elle sera donc la dernière de sa famille à cuisiner sur l'eau. Je dois veiller à l'entretien du bateau pour éviter qu'il ne s'abîme. Si on oublie de mettre de l'huile, alors le bois va pourrir. Unti prend grand soin de son bateau qui a plus de 100 ans. Une barque transmise de génération en génération depuis ses arrière-grands-parents maternels. Je me sers de ce mélange pour réparer les fissures sur le bateau. Si je ne le répare pas au fur et à mesure, il risque de couler. C'est une huile qu'on trouve dans la région et que je mélange avec de la poudre de ciment. Une fois la coque réparée, Unti veille aussi à la protection spirituelle de sa barque. À chaque voyage, la cuisinière emporte avec elle cette amulette qui apporte sécurité et abondance. Cette amulette m'a été donnée par ma mère. C'est un porte-bonheur qui apporte la prospérité. J'y ajoute des feuilles d'or pour obtenir la bénédiction de la déesse qui veille sur les bateaux.
L'amulette reste dans mon bateau tout le temps. Demain, sa journée sera particulièrement chargée. Hunty va se rendre au plus grand marché flottant de la région d'Ampawa. C'est là qu'elle réalise ses meilleures ventes. Alors que la journée d'Hunty s'achève, à l'autre bout de la planète, en Argentine, Sébastien se réveille à peine. Il est 6 heures du matin. Sébastien et son fils partent chercher le second, José Luis. Une nouvelle et longue journée commence à bord du bateau épicerie. Franco, Franqui, bajale un par de agua, mami. J'ai réglé l'alarme de mon réveil à 5 heures du matin. Je me suis couché vers 1h30 cette nuit. Ça veut dire que j'ai dormi 3 heures et demie cette nuit. En été, c'est facile de naviguer tôt le matin, parce que tout est calme. Ça devient plus difficile en hiver, lorsqu'il y a de la brume. Mais l'été, c'est facile de naviguer. C'est très beau la nuit aussi. Ce matin, le niveau de l'eau est haut et rend la navigation délicate. Sébastien surveille les courants et les variations de la météo. Aujourd'hui, le niveau de l'eau est très haut. C'est un vent du sud-est qui amène toute cette eau jusqu'ici. Et ça pourrait devenir dangereux. Le vent du nord vient chercher l'eau et le vent du sud-est nous l'apporte. Quand il y a beaucoup de vent, le niveau de l'eau peut monter jusqu'à 2 mètres. C'est comme une loterie. Avec un vent du sud-est, on craint la montée de l'eau. Aujourd'hui, la navigation ne semble pas dangereuse. Mais elle peut rapidement le devenir. Il y a quelques années, le père de Sébastien en a fait l'expérience. Un accident s'est déjà produit il y a plusieurs années. Mon père conduisait le bateau. Il y avait de la brume et on est entré en collision avec un autre bateau. Ça fait longtemps déjà. On a eu de la chance car il n'y a pas eu beaucoup de dommages. Dieu merci, ça ne m'est pas arrivé avec mon bateau. Depuis l'âge de 6 ans, Franco prend parfois les commandes. Une sorte de conduite accompagnée avant de passer le permis bateau.
Salut, Bété. Merci. L'hiver nous prépare quelque chose de terrible. Il va y avoir de la pluie et de l'eau. Beaucoup d'eau. On va se reposer. Allez, salut, Bété. Merci. Le réfrigérateur fonctionne avec du 220 volts, tout comme les autres appareils du bateau, sauf le moteur propulseur. Au deuxième jour du voyage, Luis José remplit la génératrice de gasoil. Mesure de prévention pour que, même en cas de panne, les aliments restent au frais. On apporte toujours suffisamment de carburant pour alimenter le générateur tout au long du trajet. On en livre aussi à nos clients et on en garde un peu pour les autres appareils à bord. Le Ignacio Franco n'est pas l'embarcation habituelle de Sébastien. Le véritable bateau épicerie est en réparation. Je suis copropriétaire de ce bateau avec mon beau-père. En réalité, il n'est pas du tout conçu pour servir de bateau épicerie. Il est plutôt fait pour transporter des billots de bois. Nous l'avons adapté temporairement pendant que notre autre bateau est en réparation. On a travaillé pendant un an et demi sur ce bateau. Mais on va bientôt tout démonter pour y mettre une grue afin de manipuler les billots. Mon autre bateau est en cale sèche depuis le mois d'août de l'an dernier. Ça fait déjà plus de 6 mois. On est peu à faire ce type de travail. Et ça ne va pas en s'améliorant. Acheter un bateau, ça coûte très cher. Et les réparations coûtent cher aussi. Aujourd'hui, je dirais que ce bateau coûterait 98 000 euros. C'est pourquoi ? Tu en veux combien ? C'est Gustavo, le charpentier du Delta, qui répare le bateau de Sébastien. Il travaille seul et retape 2 embarcations en même temps. Pour la coque de celui-ci, le Sublime 3, il a prévu encore 1 an de travaux. Ces bateaux capables de transporter de gros chargements et dotés d'un fond plat s'appellent des chatas. Il faut un cours d'eau d'au moins 1,50 m à 2 mètres de profondeur pour naviguer avec ce type de bateau. Les rivières sont souvent basses de nos jours. Et c'est ça qui avait brisé l'arrière de ce bateau. Il n'y a pas de drague dans le delta. Sébastien a vendu une bonne partie de sa marchandise. Il doit déjà penser à se réapprovisionner pour sa prochaine tournée. L'heure est donc aux commandes qu'il ira chercher à Tigre plus tard dans la journée. J'ai vendu 70% de tout ce qu'on a chargé. C'est la proportion habituelle à ce moment-ci de l'année. Une grande partie des habitants de l'île encaissent leur paye au début du mois. Alors on vend beaucoup plus de marchandises à ce moment-là. Et plus le mois avance, plus les ventes baissent. Après 48 heures de navigation dans le delta, l'Ignacio Franco est de retour à Tigre.
L'équipage bien rodé organise les opérations de chargement. À nouveau, le temps est compté. La prochaine tournée dans le Delta sera plus longue. Il y a donc plus de marchandises à embarquer. Près de 30 000 euros de produits divers que le capitaine épicier tentera d'écouler lors de son nouveau voyage. En Thaïlande, Anty s'apprête à vivre une très longue journée de travail. Elle part alors qu'il fait encore nuit. J'ai préparé des nouilles avec un bouillon épicé et de la soupe tom yam. Elle veut arriver tôt pour avoir le meilleur emplacement sur le marché flottant. Habituellement, je me réveille à 3 heures. Là, il est 6 heures et je charge le bateau pour mon départ. Je dois me lever tôt parce que je vieillis. Je fais les choses beaucoup plus lentement que lorsque j'étais plus jeune. Il y a plusieurs années, je pouvais me lever à 4 heures et arriver à tout faire à temps. Mais je ne vois plus très bien. Alors ça me prend du temps pour tout préparer. Le marché flottant se trouve à une heure de navigation. Sur son chemin, Hunty croise déjà des clients comme cette nonne qui vit dans un temple non loin de là. Tu dois faire vite. Il faut arriver tôt au marché. Je dois me dépêcher parce que si je suis en retard, d'autres commerçants vont me voler mes clients. Ce marché a plus de 100 ans. Il existait déjà du temps de mes grands-parents. Le marché a lieu une fois par semaine, mais à des dates différentes. Il est calé sur le calendrier lunaire. Ici, au marché flottant, seules des femmes vendent des produits. Fruits, légumes, fleurs, un microcosme féminin. Il n'y a pas d'hommes ici. Vous voyez bien. Vendre de la nourriture sur un bateau, c'est un travail de femme. Les hommes, eux, ils travaillent sur la terre ferme. Toutes ces femmes sont mes amies. Elles aiment bien venir ici pour se rencontrer, discuter, se raconter des histoires. Elles s'échangent aussi de la nourriture parfois. Pour Hunty, ce lieu est l'endroit où elle fait son meilleur chiffre d'affaires. Ici, toutes les femmes se connaissent et s'entendent plus ou moins bien avec leurs bons et moins bons côtés. Cette femme, elle attend toujours d'être affamée avant d'acheter quelque chose. Sur le marché flottant, elles ne sont que deux cuisinières. La concurrente d'Hunty s'appelle Sambe. Elle a 72 ans.
Les deux femmes ne se fréquentent pas, mais se respectent. Elles savent qu'elles sont les dernières à exercer ce métier dans la région et que leur profession disparaîtra avec elles. Je fais ce métier depuis plus de 50 ans. Chacun fait ses petites affaires. Je crois que c'est bientôt fini. La jeune génération n'est pas prête à faire ça. Après l'heure du dîner, l'activité du marché flottant retombe. Et pour Hunty, il est temps de rentrer. C'était une bonne journée. J'ai gagné environ 1000 bahts. Ça fait à peu près 50 bols de nouilles vendues. En pagayant sur le chemin du retour, Hunty reste coincé dans la végétation. Après une longue journée de travail, l'effort pour se sortir de là est de trop. Il m'arrive souvent de rester coincé dans la végétation. Parfois, ça peut me prendre une demi-journée pour me sortir de là. Avant, les affaires étaient bonnes parce que beaucoup de gens travaillaient sur les plantations. J'avais beaucoup de clients. À cette époque, les nouilles étaient rares, donc c'était un produit spécial. Il y avait des jours où, en deux arrêts, toute ma cargaison était écoulée. Maintenant, tout le monde peut en acheter à l'épicerie du coin. La compétition est aussi devenue plus féroce, parce que les gens peuvent aller manger au restaurant en y allant en voiture. Mais quoi qu'il en soit, Hunty va continuer tant qu'elle le pourra à sillonner les canaux, à nourrir les habitants isolés, à pagayer sous les arbres comme l'ont fait toutes les femmes de sa famille. Je n'aime pas les voitures. Les bateaux sont plus utiles. M'enlever mon bateau, ce serait comme me couper les mains et les jambes. Parce que je n'ai pas d'autre moyen de gagner ma vie. Sébastien et Hunty, chacun à leur manière, font vivre leur territoire. Ils suivent le cours tranquille des canaux ou s'aventurent dans les méandres des fleuves et les courants des deltas. Ils sont, depuis la nuit des temps, la ligne de vie de ceux qui vivent au cœur de la nature et de l'eau.